Bonsoir à tous. Vous nous suivez depuis notre studio de la Cité de Baltimore. C'est dans l'État de Maryland. Nos informations communautaires de la semaine. Cette semaine a été marquée par les obsèques de notre compatriote Mouan Ange Didier Arafat. Le samedi 30 août dernier, au stade Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan, un hommage gigantesque et plein d'émotions lui a été rendu à l'occasion d'une veille artistique organisée par le gouvernement ivoirien et au cours de laquelle sa famille, ses amis et connaissances, ainsi que ses nombreux fanatiques, les Chinoises et les Chinois, sont venus pleurer l'artiste pour la dernière fois. Il a été conduit à sa dernière demeure et inhumé au cimetière de Williamsville le samedi 31 août 2019. Une image a capté notre attention au cours de cette cérémonie au stade Félix Houphouët-Boigny, celle de l'adieu des enfants à leur père par Maël, dont l'innocence et l'intelligence ont crevé les yeux. Bonsoir. Bonsoir la Chine. Nous avons perdu notre papa et la douleur est difficile à exprimer. Dans cette étape difficile et au nom de tous les enfants Ouhon, Lachouana, Ézéchiel, Rafna et moi-même Maël, nous tenons à dire merci à toutes les personnes présentes lors de cette cérémonie. Vous avez montré toute votre affection à notre père et nous vous en remercions énormément. Papa était pour nous un père formidable. Je garderai toujours en mémoire nos moments de complicité dont certains ont été partagés avec vous. Papa, tu es parti trop tôt, trop vite et trop brusquement.
mais tu resteras à tout jamais dans notre cœur. Nous t'aimerons toujours et tu seras pour toujours notre Yoruba. Merci. Papa, on t'aime. Tu resteras à jamais dans notre cœur. Merci la Chine. Merci la Chine. Merci la Chine. Vous êtes les meilleurs. Ici aux États-Unis, au même moment, s'est déroulée dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire une veillée d'hommage initiée par M. Désiré Lobo, l'oncle de Didier Arafat, et présidée par M. Maes Enio, premier conseiller représentant Son Excellence M. Mamadou Haïdara, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Côte d'Ivoire, près les États-Unis, en mission ce jour. Pour l'ultime hommage à l'artiste au niveau des États-Unis, c'est tout naturellement que l'ambassadeur Haïdara Mamadou a fait droit à cette requête pour s'associer aux prières pour le repos de l'âme de notre illustre disparu. Nous ne pouvons pas prendre part avec nous à cette cérémonie de recueillement et de prière. Le chef de mission me charge de vous adresser son soutien et de vous dire qu'il est de tout cœur avec nous. À tous, l'ambassadeur Haïdara exprime sa compassion et ses encouragements à surmonter cette difficile épreuve qui voit la Côte d'Ivoire orpheline de la disparition d'un de ses fils qui aura joué comme un champion sa partition dans le processus de développement de notre patrie. Dans une exhortation pour la circonstance, le pasteur Shadrach Kaoulia a prié pour le repos de l'âme du défunt et dit des bénédictions pour la famille. On vous isole. Quand on veut vous détruire, on vous isole. Quand Jésus devait mourir, qu'est-ce qui a été fait? Il a été isolé. Quand on veut nuire à la vie de quelqu'un, à un moment donné, on le pousse à l'isolation et l'isolation seule a produit le travail de la mort. Donc ce soir, je veux vous donner cette opportunité de pouvoir regarder votre cœur. Et si vous n'avez pas le Seigneur Jésus, c'est pour vous une opportunité de pouvoir le recevoir afin que vous puissiez avancer effectivement dans vos vies et que la grâce de Dieu soit manifestée dans vos vies. Donc vraiment, je voudrais vous bénir ce soir et bénir la famille. Priez pour la famille, que Dieu soutienne la famille Lobo et la famille Lobo. Que Dieu soutienne le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et je voudrais saisir cette tribune pour dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes, d'autres disent. Écoutez, souvent, il faut passer au-delà des spéculations. Il y a quelque chose qui devrait être fait à la fin. Ce n'est pas n'importe qui, c'est une icône. On dit qu'une icône selon sa qualité d'icône. Voilà, la Bible dit qu'on donne l'honneur à celui à qui l'honneur est dû. Donc, quand l'honneur devient quelqu'un, il faut lui donner. Voilà, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de discussion à faire là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse votre présence ce soir et merci d'être venu pour soutenir la famille. Je vous remercie. Quelques témoignages ont été rendus par des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu à partager des moments dans la vie du Daïchi. Depuis ce temps, jusqu'à ce que je me sépare avec Arafat, il ne cessait de m'appeler tonton. Et tous ces problèmes, je me rappelle, on était en voiture quand on allait chez Mémé. Il a son manager, un Congolais, qui lui disait, écoute Arafat, il paraîtrait que tu as un problème avec des gens d'Atlanta et qu'ils veulent te boycotter. Donc, permets-moi de les appeler et puis je vais leur demander des excuses. Tout d'un coup, il s'est fâché, il a commencé à l'insulter. Mais quand il a tourné, il m'a vu et me dit, tonton, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Moi-même, j'étais étonné parce que personnellement, j'avais peur même de l'approcher, voyant tout ce qui se passait à la télé, sur le net, tout et tout. Je me disais, ah ben, comment quelqu'un d'arrogant qu'on voit sur le net, par-ci, par-là, comment cette personne peut m'accorder du respect comme ça, il m'appelle tonton, tout et tout. Donc, j'étais vraiment étonné. Avec peur, que tout le monde pleure. Même en son nom, je ne savais pas si Didier était aussi opportun que ça. Mais aujourd'hui, je le vois et je suis fier de lui. Et je suis fier de vous qui avez aimé mon neveu. Même s'il n'avait pas connu tout pas, je suis fier de vous. Vous avez bien trop le cœur. Il a fait sortir son album. Qui a acheté? J'ai envoyé de l'argent pour qu'on m'achète des CD pour distribuer à ma famille en France. Pour l'accompagner. Qui l'a fait?
aider nos artistes. On n'aide pas l'artiste dans ce monde dans la bouche. Il faut les aider avec des actions. Si on aide. Je suis fier. Tout ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui, je suis fier de ça. Et je suis fier de Krishna. Et je suis fier. Si vraiment vous êtes ici pour lui, levez-vous. Et comme il a l'habitude de dire dans ses concerts, Taishi, Taishi, and Taishi. Taishi, 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 Taishi. Merci. Merci beaucoup. C'est avec le cœur gros que nous passons ces moments très difficiles. Et là, je porte sur ma casquette, comme vous pouvez pas le savoir, mais au niveau d'Abidjan, on a un groupe de motos qui s'appelle Never Ride Alone. Et c'est le logo que je porte. Et Didier était membre. Donc même ici, quand un motard tombe, hein, je fais de la moto ici depuis longtemps, on informe toute la communauté des motards et on fait une parade au nom de cette personne-là. Donc on l'a fait pour Didier et ça vraiment, ça a été très touchant. Quand vous marchez là sur Wisconsin avec nous, vous voyez des immeubles, on dit immeuble de terre. Lieu de tel, musée tel, on donne un nom. C'est pour que moi, là, qui suis dans mon groupe derrière, quand je passe, je vois le nom de la personne, je google, que c'était qui. Et ce que la groupe est en train de faire, c'est pour que dans 50 ans, 100 ans, 150 ans, quand des jeunes Ivoiriens seront dans un taxi, dans un train de marché, ils verront un musée qui dira 8 euros, dédicace à mon Didier, Arafat, ils vont aller chercher pour savoir qui c'était et savoir qu'il faut mouiller le maillot pour l'Afrique. Les artistes eux aussi ont rendu un hommage à Didier Arafat. Posons quelques réactions à la fin de la cérémonie. Je m'appelle Eric Baudelaire-Adjeb. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter tous ceux qui ont eu à organiser cet événement. C'est vrai, et voici un événement malheureux qui, malheureusement, nous rassemble ici à cette ambassade. Le décès du petit frère Didier Arafat, qui, n'est-ce pas, un petit frère vraiment très respectueux, qu'on vient de perdre. Je pense que c'est une perte vraiment très énorme pour les Ivoiriens. Pas seulement les Ivoiriens, mais les Africains en général. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter ou présenter, je dirais plutôt, présenter les condoléances à tous les Africains ici présents. C'est vrai, cette disparition, cette mort brusque d'Arafat touche tout le monde entier. Donc vraiment, vraiment, on soumet. C'est-à-dire, je présente mes condoléances à toute la famille, c'est très important. Ce départ brusque d'Arafat, ça a touché tous les Ivoiriens. Donc encore merci une fois de plus, et puis vraiment que Dieu nous bénisse. Merci. Bonsoir. Vraiment c'est un plaisir pour moi de remercier toutes les personnes ici présentes pour cette commémoration à l'honneur de mon neveu Didier Arafat. Vraiment je remercie la communauté ivoirienne et africaine à Washington DC. Je remercie encore le gouvernement ivoirien qui a décidé de prendre en charge les obsèques de mon neveu Didier Arafat.
Je remercie encore l'ambassade des États-Unis, dans laquelle actuellement nous sommes en train de hoster cet événement pour honorer, you know, cette légende DJ Arafat qui est mon neveu. Je vous remercie tous pour l'apport et surtout sur l'ambassadeur monsieur Mamadou Aïdara et toute son équipe. Je vous dis grand merci. Moi, les mots me manquent. Comme je l'ai dit, le corps part, mais une légende ne meurt pas. Que la grâce soit sur ma famille. Je remercie encore ma grande sœur Tina Spencer. Sois forte, sois forte. Didier est ton premier garçon. Il est parti, c'est Dieu qui l'a voulu. Je rends profit pour remercier Carmen, la femme de mon fils, Didier Arafat. Sois forte. Demain, c'est un jour très dur. C'est le jour où Didier ira en terre. Mais soyez fort. Mamie, c'est moi désiré. J'ai fait cet événement en l'honneur de Didier. Et je sais que vous serez fiers de moi. Maman, sois forte. Sois forte. Grand frère Roger, c'est moi ton petit frère Bilo. Soyez fort. Suzanne, sois forte, grande soeur. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour la famille. Merci. Tonton Youssouf, grand merci à toi aussi. Marc, grand merci à toi. Grand merci au gouvernement Ivan. Grand merci au grand frère Amen Bakayeko, qui a été toujours un père pour Arafat. Merci. Les mots me manquent. Bonne soirée à tous et que Dieu nous accompagne tous à la maison. Amen. Juste pour vous dire merci, surtout à l'ambassadeur et son équipe par rapport à cette soirée qu'ils nous ont organisée pour nous les Chinois, pour rendre hommage à notre artiste Didier Arafat. Et on remercie beaucoup le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, pour ce geste qu'il a fait. Et surtout, le père de Didier Arafat, M. Ahmed Bakayoko, pour tout ce qu'il a fait pour notre artiste. En tant que Chinois de Washington DC, je dis merci. Et on sera toujours là pour la famille et toujours là pour valoriser les œuvres de notre artiste. Merci. Bonsoir, je suis camerounaise et mon nom c'est Carole. Alors je suis venue aujourd'hui pour just to support Arafat Uncle. Je suis venue pour soutenir l'oncle d'Arafat. Et on est venu pour célébrer en fait la vie de notre petit frère et de notre neveu. Et nous souhaitons qu'il repose en paix. La soirée s'est très bien passée. C'est de la joie ici. C'est pas de la tristesse. Because we know he's at a better place. He's at a much better place. May he rest in peace. C'est Nabo, Nabo News. Nabo, c'est celui qui fait beaucoup pour la communauté ivoirienne dans le DMV. Candidat malheureux aux élections, mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et vous avez vu, c'est celui-là même qui a félicité et qui a appelé le président Jean-Basile Nguetta ce soir. Et nous sommes là par rapport à la veillée de DJ Arafat, Won Ange Didier, qui est celui qui a été connu par beaucoup d'Ivoiriens et par tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, Nabo News nous permet de vivre en direct depuis New York la veillée artistique et les obsèques de DJ Arafat. J'aimerais remercier ce pionnier-là. J'aimerais remercier ce monsieur-là qui est Nabo Clément au niveau des États-Unis, de Washington DC, avec sa chaîne. Et je pense que tous les Ivoiriens, nous sommes ensemble, nous sommes un et indivisibles. Ce que j'aimerais, c'est que vraiment, la mort de Didier Won Ange nous permet de nous vraiment nous unir davantage, car c'est dans le moment difficile que nous voyons que la Côte d'Ivoire elle est une et indivisible. Merci à Nabo, merci à tout le monde et merci à la communauté. Merci. Bonsoir, mon prénom c'est Fleury. Voilà, juste dire qu'on a passé une très belle soirée et on a rendu hommage à Didier Arafat. Ce fut une très belle soirée et puis une très belle initiative en tout cas. Ce que je retiens personnellement de Didier Arafat, c'est que le pouvoir, il ne se commande pas, il ne se demande pas, mais il s'arrache. Juste pour dire qu'il a bataillé, durant toute sa vie, il a bataillé pour atteindre le niveau qu'il a atteint avant de partir, avant de nous quitter.
vraiment merci infiniment pour tous ceux qui ont œuvré pour que cette soirée-là soit aussi belle. Vraiment merci infiniment. Un livre de condoléances pour dire un dernier mot à Ange Didier, ainsi qu'un poster géant ont été signés en vue d'être acheminés à Abidjan et exposés dans le futur musée qui sera construit en l'honneur de Didier Arafat. Dieu l'artiste, je ne cesserai de dire que tu fus un grand et grand tu demeureras à jamais dans les esprits. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous.